Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Voilà les potos, un autre glitch de duplication à deux. Donc il est quand même facile, mais un peu plus long à faire. Pour ceux qui préféreront celui-là, ben bon glitch. Les gars, c'est parti. Donc moi je vous conseille de dupliquer la Easy Anticipation ou une Elegy RH8 qui vous rapportera entre 900 000 et 1,8 million à chaque fois. Donc celle-là de voiture, la Easy Anticipation, c'est 1,8 million à chaque revente. Donc ça veut dire 10 fois 1,8 million, ben ça sera faisable. Donc là, c'est un glitch quand même de duplication en masse, d'accord? Vous allez pouvoir dupliquer beaucoup, beaucoup, toutes les places que vous aurez de libre, ok? Donc là, j'ai mon pote, il est en train de se bugger, d'accord? Je vais vous montrer à la fin de cette manipulation comment mon pote se bug pour pouvoir m'aider. Donc il sera comme freeze. Il va pouvoir faire bugger mes véhicules. Ok? Donc lui il est parti faire ça. Moi, je vais avoir besoin d'un garage avec des motos, surtout des Faggio parce qu'ils sont moins chers que les autres. Des Faggio à l'intérieur. Surtout rassemblez bien tous vos Faggio parce qu'on va les appeler avec le club de motards. Et il faudra que vous sachiez d'où ils viennent. Peu importe le garage d'où il viendra, il faudra que nous on ramène la duplication dans ce même garage. Donc rassemblez bien vos Faggio au même endroit pour savoir d'où vient le véhicule. Ensuite, il va vous falloir donc bureau de PDG, garage et une boîte de nuit. D'accord? On va avoir besoin de l'emplacement de la boîte de nuit. C'est la place qui est seule de la boîte de nuit. D'accord? Allez, c'est parti. Donc on est en session sur invitation. Votre ami se buggera qu'une seule fois pour vous faire toutes vos duplications. Donc vous pouvez regarder la vidéo que j'avais déjà mise juste avant. Il est beaucoup plus facile pour celui qui aide, d'accord? Donc l'autre, c'est votre pote qui se bug une seule fois, il s'en va et vous pouvez dupliquer seul, tranquille. Il suffira juste que votre ami reste dans le jeu, que ce soit en mode histoire ou dans GTA Online, mais il n'aura pas besoin de vous aider. Que là, il sera obligé de vous aider à chaque duplication. Allez, on va se rejoindre devant la boîte de nuit et je vous montre la manip qui est très facile à faire. Donc, je vais mettre ici, je vais vous montrer le véhicule que je veux dupliquer. Donc, vous mettrez le véhicule, peu importe quel véhicule, vous le mettrez à cet emplacement de la boîte de nuit. Donc, c'est dans le portail là de la boîte, c'est entré par la boîte de nuit. Et il y a une place unique qu'on va faire bugger. Les potos, abonnez-vous, un petit pouce pour soutenir la chaîne. On compte sur vous. Rejoignez le crew et mettez-le en crew principal. Comme ça, je vais vous enlever de homme de main. Et je vais faire des lives, dans des véhicules ou des braquages. Vous aurez le choix. Pour ceux qui soutiennent le crew. Donc, le crew du ADH, j'espère qu'il va monter très fort. Qu'on arrive aux 1000 membres, ça serait le top. Donc d'accord, vous avez mis le véhicule que vous voulez dupliquer ici. Votre ami il est bugué, il va faire la manip, il a fait la manip que je vous montrerai juste après la manipulation des dupes. Il va monter sur un véhicule personnel à vous, d'accord? Peu importe le véhicule personnel, tant que c'est pas le Faggio. Et vous allez faire renvoyer votre véhicule. Vous êtes en club de motards. Il va s'éloigner et vous allez pouvoir appeler un Faggio. Je vais appeler mon premier Faggio. Il apparaîtra jamais ce Faggio, d'accord? Je vais aller chercher le véhicule que je veux dupliquer. Donc là, maintenant que vous avez appelé le Faggio, votre pote il peut se rapprocher de vous, qui se remettre au carrefour, comme ça il marchera pas pour rien, parce que le véhicule va disparaître. Rentrez dans la boîte de nuit, vous allez sortir le véhicule que vous voulez dupliquer. Là c'est 1,8 million à chaque manipulation, d'accord les gars? Plaque propre, à chaque manipulation la plaque changera. Ok, donc là maintenant que vous êtes sorti avec la duplication, vous allez dire de votre pote de descendre du véhicule, ce qui va le faire disparaître. Et là maintenant je vais aller mettre la duplication, donc c'est une apparence hein, la duplication à l'endroit où j'ai appelé mon Faggio. Donc moi c'est dans mon garage 1, j'ai mis qu'ici j'ai mis des Faggio.
Ça pourrait marcher avec des RH8, mais il vous faudra appeler le mécano à chaque fois. C'est pour ça qu'on fait ça avec des Fajo. Ça marchera avec tous les véhicules, sauf qu'ils seront écrasés. Donc là, la duplication, elle est OK. C'est validé. J'ai juste à ressortir, aller en faire une autre. Par contre, il est assez rapide. Donc là, je vais rejoindre mon pote qui est bugué. Je vais lui donner ce véhicule. Et je vais recommencer une autre duplication. Donc il va monter dessus. Je vais faire renvoyer véhicule. Merci à Sosa, les potos. Je vais mettre sa chaîne dans la description. Il fait des lives, donne de véhicules aux abonnés. Donc je sais qu'il y en a pas mal qui ont besoin de véhicules. Abonnez-vous à lui, mettez la cloche. Et c'est vraiment une personne super. Il fait partie des ADH, donc on soutient par rapport au crew. Ok. Donc là, il s'est éloigné. J'ai fait appeler un autre Fajo. Et je vais rechercher le véhicule que je veux dupliquer. Une fois que j'ai appelé le Fajo, mon pote peut se rapprocher. Et je vais vous montrer encore une fois que son véhicule va disparaître. Et moi, je vais aller sauvegarder ma duplication. Et vous aurez juste à faire ça à l'infini tant que vous avez des places de libre. Donc je vous conseille de pas trop vendre de véhicules par jour, hein, pour pas avoir une limite de vente qui va arriver jusqu'à 1. Donc vous en vendez 3, 4 par jour, avec espacer le temps, pas les vendre d'affilée, d'accord? Soyez prudent sur ça, ou sinon vous perdrez, à la fin du compte, vous perdrez beaucoup d'argent. Ok, maintenant que je suis là, que j'ai sorti ma dupe, il descend du véhicule, et je vais aller sauvegarder ma duplication dans le garage où j'ai appelé le Fajo. Moi, je sais que c'est dans mon garage 1. Et là, la deuxième duplication, elle est sauvegardée, les gars. C'est pas plus compliqué. Sosa Inferno, les gars. Boom Multigaming. Je vais mettre sa chaîne aussi. Ça, c'est l'équipe des ADH qui font des dons de véhicules aux abonnés. Et moi, je vous le dis, ils sont rares, les gens qui prennent leur temps à donner des véhicules à un peu tout le monde. Ok ? Donc vous abonnez, vous mettez la cloche, je vous demanderai de les soutenir, voilà, de participer à leur live, si vous avez des aides à faire, essayez de les aider, c'est des mecs au top, voilà. Voilà les potos, donc là maintenant, je vais vous montrer ce qu'a fait mon pote pour se bugger, d'accord? Donc il va falloir aller dans le casino. Donc là, c'est l'étape que mon ami a fait avant de me rejoindre au casino. C'est parti. Donc la manip, elle est très facile. Vous avez juste à suivre la méthode. Allez, on va aller au casino. Et on va se retrouver dans l'appartement du casino. Allez les gars, si vous avez des potes qui jouent à GTA, parlez de Glitch Fun, fouet 1034. Voilà, parce que je suis pas super connu, donc je compte sur vous pour me donner un coup de main. Comme je vous donne un coup de main pour vous faire gagner de l'argent. Voilà. Donc j'ai prévu de vous faire des lives braquage pour ceux qui n'ont vraiment pas d'argent. Des lives dons de véhicules. Voilà les potos. Donc ça, on prévoit ça pour la rentrée. On fera ça à des heures prévues, donc je préviendrai à l'avance. Si vous avez des idées de couleurs avec des codes couleurs, je suis preneur pour faire modifier dans le crew. Si vous avez des bons plans pour faire évoluer le crew, je compte sur vous pour me faire des petits commentaires. Je vous inviterai en chat et on en discutera. Voilà. Merci les potos. Allez, on va dans l'appartement, on va aller au téléphone. Donc là, la manipulation que mon pote a fait, elle est à partir d'ici, d'accord? Donc là, c'est parti. On va ouvrir le téléphone, on va demander un véhicule au voiturier. Et dès qu'on a validé le véhicule qu'on veut, on va faire rejoindre une activité. Donc c'est activité, rejoindre l'activité, créée par Rockstar, arène, papam, et on spam. Il va falloir qu'avant qu'on ait l'écran noir, on ait fait toute cette manipulation. Donc là, vous mettez, ou validez, PS... en ligne, activité, joue activité, créé par Rockstar, et là vous spammez XX. Donc là vous voyez, c'est bien passé. Vous allez vous retrouver
bugger entre la map et le sol. Là, ça va être tout simple. Vous allez ouvrir votre téléphone. Vous allez dans En ligne, pack criminel. Donc vous spammez X. Là, vous allez avoir à attendre un petit peu le chargement. Vous spammez X. Et votre pack criminel va vous débugger. Et au final, vous serez bugué comme on voulait dans la même session que votre pote. D'accord, c'est tout ce qu'il y a à faire. Si jamais ça va vous mettre dans la mission des arènes, c'est pas grave. Vous avez juste à quitter le tableau et vous serez bugué quand même. Voilà les potos. Sur ce, c'est tout. Donc je vous dis bon glitch les gars. Vous avez vu aussi que sur la chaîne, vous avez don de véhicules. Vous avez deux méthodes de don de véhicules, d'accord. Vous regarderez les deux. Un petit soutien, un petit pouce sur la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça me fera connaître un peu plus et ça nous motive les gars. Team ADH, je vous fais des grosses bises, je vous dis à bientôt, ciao tout le monde.